5 octobre, et quand on parle de 5 octobre, on parle de ces façonneurs d'avenir, on parle de ces enseignants qui sont à l'honneur ce 5 octobre, parce qu'on parle de cette journée qui leur est dédiée, ces enseignants du Cameroun qui se joignent à toute cette communauté internationale pour célébrer cette 28e édition de la journée mondiale, on va le dire ainsi, de l'enseignement. Clin d'œil à tous ces enseignants, clin d'œil à toutes ces personnes qui m'ont enseigné. Je pense ici à mon professeur d'espagnol, Monsieur Zia, je pense à Monsieur Moukemi, mon professeur d'histoire-géographie, quelques figures comme ça qui ont marqué mon parcours, avec qui j'entretiens d'ailleurs de très bonnes relations jusqu'ici, comme quoi les enseignants, il faut pouvoir les ménager comme il se doit, et il faut pouvoir les honorer aussi. On profite de ce 5 octobre pour saluer tout le travail que ces personnes, du moins ces enseignants, abattent et continuent d'abattre. C'est pas du tout évident quand on connaît, quand on sait tous le chapelet de revendications formulées par ces derniers pour se retrouver dans de meilleures conditions. Jusqu'ici, les plaintes qui restent encore énormes, mais qui, on l'espère, trouveront dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, un écho suffisamment favorable afin que l'enseignant puisse avoir une place de choix telle que revendiquée par ces derniers au sein de la société. On croit sincèrement et fermement que ce sont des revendications aussi qui ont toute leur place, parce que ces derniers, comme tous les corps de métier, ou alors comme ceux qui dans bien d'autres corps de métier, doivent pouvoir bénéficier amplement, pleinement de l'exercice qu'ils mènent au quotidien. Bien le bonjour à vous, bienvenue à votre programme ce matin. Nous sommes mercredi, comme je l'ai dit, 5 octobre, et à l'instant, sachez que c'est votre émission 10-12, le Zénith, qui démarre à l'instant sur Equinox Télévision. Si vous nous rejoignez seulement pour la première fois, si vous êtes nouveau à écouter, à regarder ce programme, alors prenez votre agenda, notez le rendez-vous. C'est tous les jours entre lundi et vendredi de 10h à 12h sur Equinox Télévision et nulle part ailleurs. Sachez qu'à côté de moi, il y a une très grande équipe, une belle équipe, on va le dire ainsi, des enseignants d'une autre façon, oui, parce que sur ces antennes aussi, ils le font d'ailleurs à cœur joie, enseigner les autres, donner leur point de vue, qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir aussi se recadrer, parce que vous avez cette lourde responsabilité à la fin de faire une belle synthèse, et dans la rue, quand on croise certains, ils n'hésitent pas à dire merci pour le travail que vous abattez par rapport à tel sujet ou à tel autre que vous avez débattu. J'ai pu me tirer d'affaire par rapport à X ou Y situation que j'ai vécue. Permettez-moi également de faire un clin d'œil à toute l'équipe technique qui nous accompagne encore ce matin, et sur le plateau, on commence comme à l'accoutumée avec Dominique Audrey Ouyengelek. Bonjour Dominique. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, on va dans la ville de, disons, on va à Bamena ce matin. Bon, d'accord, allons à Bamena. Oui, parce que c'est mon village, ça aussi peut-être, je ne sais pas. C'est un très beau village d'ailleurs. Je fais un clin d'œil à tous les Bamena qui regardent ce programme. Oui. Excusez-moi, Bamena. Oui. Ok, ça veut dire que vos bon questions. Vos questions. Bon, bon, mais. Bon, mais Gana, il a à faire un tour là-bas, n'est-ce pas? Des tours. Voilà. On a déjà Théophile Covenant qui vous reçoit toujours très bien là-bas. Avec les chèvres que je mange, toutes les choses. Comme j'aime les chèvres. Donc, j'ai de quoi être jalouse alors. Non, il y en a que pour moi. Ma d'ailleurs promis que l'enfant qui va m'accompagner faire pipi sera une bamine. Ah bon? Ça encore? Non, la reine mère a validé. Donc, on attend seulement quand j'aurai dans les 70 ans. Dominique Audrey, je vais vous inviter à Bamena. Parce que là, vous n'êtes pas encore parti, n'est-ce pas? Oui, je suis jalouse un peu. Parce que vous n'êtes jamais parti, vous arrêtez simplement dans le Haut-Cam. Je vais vous inviter à dépasser le Haut-Cam et à arriver ailleurs. Vraiment, les vraies balles. L'histoire ce matin. Voilà, on reste à Bamena ce matin avec ce monsieur. Je suis un homme, la quarantaine d'années, fonctionnaire, père de 3 enfants. Mon problème réside du fait de mon statut sérologique. La mère de mes enfants est décédée il y a près de 10 ans. Mais à chaque fois que je me remets en couple, je suis confrontée à l'exigence d'avoir un enfant avec ma nouvelle compagne. Au début, je confiais dès le départ mon statut. Après le début de la relation, je confiais mon statut et à chaque fois, ça créait des ruptures. J'ai décidé de me protéger malgré les bons résultats de mon suivi après la prise de mes ARV. Comment faire comprendre à ma nouvelle compagne aujourd'hui, parce que je viens d'entamer une nouvelle relation avec une nouvelle femme qui me comprend,
qui m'aide, qui me soutient, qui est tout le temps présente pour moi. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi on continue de se protéger depuis le début de notre relation. Aujourd'hui, elle a un enfant déjà dans sa précédente relation, mais elle veut un autre enfant. Moi, je veux épouser cette femme. Je voudrais pouvoir aller très loin dans cette relation, mais comment est-ce que je vais lui dire avec le risque de la voir partir? Je vous en prie, aidez-moi. Je suis au bord de la dépression. Je souffre de cela depuis, j'en souffre depuis près de 8 ans déjà. Et mes relations, à chaque fois, sont fragiles. Je vous en prie, aidez-moi. Il s'appelle comment? Il a donné son nom? Tu as un pseudo? Bien sûr qu'il a donné son nom. On va l'appeler Francis. Francis. D'accord. Francis, ouais. Francis, il ne nous dit pas où est-ce qu'il a chopé cela, n'est-ce pas? Non, il ne l'a pas dit. Si c'est son ancienne compagne qui... Non, il a, sa femme est décédée il y a 10 ans, ouais. Dans 2012. Mais depuis 8 années, donc 2 ans après le décès de sa femme, il a contracté la maladie. Et depuis lors, il ne peut pas avoir une véritable relation. Donc à chaque fois, c'est passé, on se séparait, il retrouvait une nouvelle. Et lorsqu'il disait... voilà, je souffre de ça, on se séparait encore. Mais maintenant qu'il a rencontré une autre femme qu'il tient absolument à gérer, en face, il y a la femme qui lui dit « Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. J'ai mon âge commence à avancer, je n'ai qu'un seul enfant. Il faudrait que tu me donnes un enfant. » Il ne sait donc pas comment, avec quelle terminologie présenter sa situation et comment garder, convaincre cette femme de rester. Surtout qu'il dit que ses résultats sont bons. D'accord. Bon, Mingan, je crois qu'aujourd'hui, quand même, on est d'accord que c'est plus comme à une certaine époque où, lorsqu'on avait cette maladie, c'était la fin du monde. On voulait simplement se jeter dans le pont du Vory. On voulait mettre fin à ses jours. On avait complètement perdu cet appétit pour la vie. On voulait rompre avec tout. Aujourd'hui, quand même, je pense que les mentalités ont, on va dire, relativement évolué, au moins, par rapport à cette maladie. Est-ce que le dire à sa partenaire, est-ce qu'il faut monter une scène? Est-ce qu'il ne faut pas le dire aussi facilement comme de dire, par exemple, je suis au chômage? C'est pas la même chose? Si, il faut le dire aussi facilement. Je ne sais pas pourquoi il a compliqué. Il y a... Dominique Audrey vous fait un grand regard quand oui, vous dites. Avant le VIH, début des années 80, il y avait eu le facteur juste, quelqu'un est ASSS, on demandait, on conseillait aux gens qui avaient leur statut numérologique de le dévoiler. C'est-à-dire qu'au départ, il faut que la relation sache sur quoi sera fondé le futur. Vous rencontrez un homme qui est AS, on lui conseillait de dévoiler, de dire à sa copine qu'elle est AS. De la même manière qu'on le disait aux filles à un moment, je ne sais pas à quel niveau, parce que vous dites souvent que le cœur a ses raisons, que mais non, nous les Bantous, on n'a pas ça. Ça, justement, c'est pour des tromperies. On dit que non, vraiment, quand le cœur flash, non. Quand l'affaire du sida est arrivée, justement, vous avez raison, à une certaine époque, on était condamné à mort. Mais maintenant, on n'est plus condamné à mort. On est condamné à mort, justement, quand on ne prend pas certaines mesures. Donc, mon fils dévoile, c'est d'ailleurs trop tard. 8 ans, c'est trop tard. C'est vraiment trop tard. Ça veut dire également que pendant les 8 ans, tu n'as pas été assidu dans la prise des médicaments. Peut-être que le taux de prévalence aurait baissé, d'autres taux de CD4 auraient baissé considérablement. Et qu'est-ce qui ne te prouve pas que ta compagne t'aurait accompagné, puisqu'on voit les femmes, et elles savent le faire d'ailleurs, même en cas de maladie comme le cancer. Les femmes accompagnent parce que la femme est d'abord maternelle. Elle dit, c'est quand elle aime vraiment. Donc, il ne faut pas en rajouter. Ça va ressembler à de la méchanceté de ta part. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire, au moment où tu voudras le dire, tu vas briser le cœur de cette fille. Et à ce moment-là, c'est à toi qu'il appartiendra de la reconstituer. De la reconstituer, c'est-à-dire reconstituer son mental, reconstituer tout ce temps perdu, tout cet amour qu'elle avait prévu parce que tu as joué aux cachotteries, ce n'est pas bon. Vraiment, commence d'abord à lui demander des excuses. Tu dis, chérie, tu sais, je n'avais pas vu, il y a quelque chose que tu n'avais pas dit. Mais surtout, ces jours-ci, va faire ton statut sérologique. Et je souhaite que le taux de CD4 sera, va t'amener à
pouvoir avoir des enfants avec elle. Mais là, c'est sous un contrôle strict. N'attends pas, n'attends plus beaucoup. Mais est-ce que ce n'est pas en réalité, ou du moins en principe, en Bengan, au départ, c'est-à-dire qu'à l'aube de la relation, qu'on devrait automatiquement faire des examens? C'est-à-dire que quand on décide de se mettre en couple avec quelqu'un, il y a des examens qu'on devrait faire au préalable, en principe, parmi lesquels figurent des examens de VIH. Absolument. D'abord, c'est devenu automatique. Quand vous allez à l'hôpital, c'est vrai, on a conseillé au corps médical de dévoiler aux patients. C'est automatique. Même si vous avez une hospitalisation d'un palu, au moment où on vous prend la goutte épaisse, il est conseillé au corps médical de faire d'autres examens parallèles, notamment de VIH et de l'hépatite. On peut conseiller, mais on a conseillé au corps médical de le dire au patient parce que il s'agit de son corps et également d'accompagnement pour l'encadrement social de tout le monde, parce que vous pouvez avoir une maladie contagieuse que vous allez développer simplement parce qu'on ne vous a pas dit. Effectivement, lorsque son épouse est décédée, il savait pourquoi son épouse est décédée, que c'est des suites de cette maladie-là. Lui-même, il a fait des examens. Vous dévoilez, devez le dire à son compagnon. Ça fait, voilà, à sa compagne que, comme tu vois, je suis. Et le supplier de t'accompagner parce que tu es en train de faire un suivi qui te semble approprié. C'est suite. Et là, adieu, voilà, vous allez prendre l'envol ensemble. D'accord. Ça devient compliqué. C'est vrai, tout le monde. Il faut le dire très vite. Dominique Audrey, le dire, entre dire et voir, entre dire et encaisser, on sait que le fossé est quand même grand, parce que oui, que votre partenaire vous dit, écoute, voilà, je suis atteint, ou alors j'ai telle maladie, je souffre de X, Y. Est-ce que c'est aussi facile que ça pour vous, la personne saine, entre guillemets, en face, de l'encaisser aussi facilement? Non. Avant de rapporter l'histoire du monsieur, je me suis amusée à poser la question à 3 femmes. Et les 3, aucune n'était prête à rester avec un homme pareil. On n'encaissera pas ce genre de nouvelles avec de la facilité parce qu'on se sentira troublé. À chaque fois, on va remettre tout en question. Tous les baisers qu'on a échangés, tous les rapports qu'on a pu avoir, tout ce qu'on a fait avec l'autre, on va remettre cela en question et se souvenir de toutes les fois où on a été susceptible de choper la maladie. Et en face de ce silence de la personne, d'aucune serait tentée de développer un sentiment de colère et de rancœur envers le monsieur. Donc, encaisser ce genre de nouvelles, quand on est humain et quand on est honnête, oui, on ne peut pas facilement le prendre. Généralement, vous le direz à une femme, elle va vous demander du temps pour pouvoir digérer cela. Elle partira quelque temps, mais après, par rapport à son niveau de culture, par rapport à... Est-ce qu'on ne dira pas qu'elles sont réticentes? Parce que dans l'esprit, elles feront l'inverse. Elles diront, si c'est moi qui avais dit à ce monsieur que, voilà, écoute, je suis porteuse de VIH, il aurait très vite pris notre tangence. C'est clair que la plupart des hommes seraient partis. Mais parmi ces hommes-là, il y a des hommes qui ont un peu de culture générale. C'est de ça que je parlais. La femme qui va s'énerver et qui va partir... s'interrogera sur son statut sérologique à elle-même. Elle fera ses examens et dès le moment qu'elle va se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas encore infectée, à ce moment, elle va essayer de voir ce que représente la maladie, quels sont les risques qu'elle peut encourir et est-ce qu'elle peut avoir un enfant qui n'est pas infecté. Aujourd'hui, la science nous enseigne qu'elle peut avoir un enfant avec un partenaire infecté ou bien elle-même être infectée sans que son enfant à elle ne soit infecté. Si elle a intégré ces données, ces informations-là et qu'elle est d'accord pour de continuer votre vie, sa vie avec vous, à ce moment-là, elle pourra rester. Mais vous-même, monsieur, documentez-vous suffisamment pour pouvoir répondre à toutes les questions qu'elle va vous poser, parce que des questions, elle va vous en poser. Pleurer, elle va certainement pleurer. Elle sera très en colère que vous ayez gardé ce secret depuis le départ de la relation. Mais dites-lui simplement que vous l'aimez et que c'était par peur de la perdre que vous ne lui avez pas dit, mais justement pour ne pas la laisser dans cette situation comme ça. Elle qui veut un enfant, vous êtes obligé de lui dire la vérité. Maintenant, vous ne pouvez pas la retenir de force. Vous ne pouvez pas la forcer.
aussi amoureux que vous puissiez être, votre amour ne peut pas suffire pour vous deux. Il faudrait que vous soyez deux pour pouvoir construire votre relation malgré la présence de cette maladie. Il faut également dire aux uns et aux autres qu'il y a des maladies qui sont encore plus graves que cette pathologie-là. Et quand même, il y a des gens qui réussissent à vivre avec. Donc, simplement, si votre compagne, votre partenaire d'aujourd'hui est suffisamment informée, elle est rassurée même par une personne du corps ou bien votre médecin, je crois que ça pourra aller. Et l'astuce peut-être serait de la ramener une fois, voir votre médecin, et ce sera à votre médecin de lui expliquer là. Parce que si on est deux partenaires et que vous me dites une chose pareille, j'aurais du mal à vous laisser parler, j'aurais du mal à vous laisser aller jusqu'au bout. Pourtant, le médecin peut avoir un certain ascendant et il va donner les informations nécessaires et après, à la maison, on pourra gérer le reste. Maintenant, par rapport à la société, par rapport au regard des autres, par rapport à son entourage, quelle est la meilleure attitude à adopter? Est-ce qu'il faut pouvoir en parler à sa mère, à sa sœur, à une amie, à des proches, dire voilà, écoutez, est-ce qu'il faut prendre l'avis des autres avant de pouvoir avoir sa propre conclusion personnelle? Ou alors elle se dit, on est en couple, il m'a fait part d'une telle situation, j'encaisse, je décide, un point c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait des autres ici? La décision, on la prend après avoir évalué, après avoir interrogé les contours de la question. Je peux avoir un partenaire malade et on me rassure que je ne vais pas avoir la même maladie, que je pourrai avoir des enfants qui ne seront pas infectés. Maintenant, j'évalue la qualité de la relation que j'ai avec la personne. Qu'est-ce que je partage avec la personne? Qu'est-ce qui me lie à la personne? Quel est le type de relation? À ce moment, je vais faire mon choix. Je resterai avec la personne ou bien je partirai. Si je dis à ma mère que mon partenaire est infecté, ce sera un problème. Si je dis à ma famille que mon partenaire est infecté, ce sera un trop grand problème à gérer. Non seulement la personne sera... mépriser la personne. Relation. Voilà. C'est parce que ce n'est pas différent d'un homme qui ne peut pas enfanter. Et la dame va le dire à sa famille. En fait, comme tu vois là, tel ne peut pas enfanter, mais je vais quand même rester avec lui. Le regard qu'on aura sur lui va radicalement changer. Si je ne peux pas rester avec cet homme, au lieu de jeter l'opprobre sur lui, qui ne soit la risée de ma famille, je le quitte simplement sans pour autant donner les raisons fondamentales de notre séparation. Bien entendu, il faut que la personne garde une certaine respectabilité aux yeux des uns et des autres. Dans l'avis des autres, si je veux la voir, je pose la question de façon masquée, sans parler directement de moi. Ouais, d'accord. Alors, Charles Hamel, cet homme aujourd'hui qui est passé par plusieurs relations a toujours eu des déceptions une fois qu'il a avoué son statut sérologique. Aujourd'hui, il semble, selon vraiment son récit, avoir trouvé l'âme sœur parce que la dame en face de lui répond à tous les critères qu'il recherche, qu'il souhaiterait avoir d'une femme. Aujourd'hui, là, tout ça servi dans un plat. Mais le hic, c'est que jusqu'ici, il n'arrive pas à cracher le morceau, à être sincère dans la relation, de peur qu'elle s'en aille. Est-ce qu'il faut qu'il laisse la relation davantage se corser, prendre corps avant de le dire, ou alors le faire tout de suite? 8 ans, c'est déjà beaucoup. 8 ans, c'est déjà beaucoup. C'est 8 ans qu'il est avec elle? Non, pas avec elle. 8 ans qu'il a la maladie. Vous savez, le ministère de la Santé a mis un ensemble de mécanismes. Oui. Il y a des pédiatres, il y a des centres de prise en charge, des centres d'accompagnement. Je crois que s'il dit qu'il est bien suivi dans ces centres, on pose toujours une question. Avec qui vivez-vous? J'aurais souhaité que Dominique Audrey lui demande qu'est-ce qu'il a répondu. Dans ces centres, il y a toujours la personne à contacter. Vous vivez avec qui? Quelles sont les mesures que vous prenez? Non, non. Le corps médical pose toujours ces questions. Donc ça suppose que lui-même a caché l'information. Non. L'information à
par ce médecin, au père éducateur, ceux qui le suivent. Parce qu'il y a le médecin d'un côté et il y a le conseiller, ceux qui conseillent. On l'a vu ici lorsque la soie fonctionnait. La soie, à l'époque, là, quand elle fonctionnait. Ou lorsque les gens arrivent, on dit non. Tu vis avec qui? Invite celle avec qui tu vis. Ok, tu as honte, tu ne peux pas la faire venir. Ok, indique-nous, donne-nous son numéro, on va aller vers elle. Donc, voilà autant de mécanismes qui sont mis. Je doute fort que le problème soit la fille, c'est lui le problème. C'est lui le problème. Parce que s'il avait posé le problème, il y a tout un ensemble de mécanismes. Parfois, même on demande aux malades, donne 5 noms de personnes avec qui tu as été en contact, avec le numéro de téléphone. Eux-mêmes vous appellent. Eux-mêmes vous appellent, ils viennent vers vous. Ils viennent discuter avec vous. Quand on ne sait jamais, vous avez peut-être été en contact. Est-ce qu'il ne serait pas bon pour vous de venir faire X ou de venir faire Y? Bon, c'est gratuit, mais nous sommes prêts à vous accompagner. Donc, je crois que c'est lui qui se refuse à prendre la méthode pour la simple raison qu'il a peur qu'elle va partir. Mais tôt ou tard, il devra assumer. C'est tout. Qu'il le veuille ou non, qu'il tourne, il devra assumer. Bon, et la meilleure des méthodes, c'est de la ramener auprès des pères éducateurs. Donc, qu'il ne le dise pas lui-même, qu'il la ramène dans cette formation. Oui, non, qu'il la mette même en contact en disant c'est une amie. Une grande amie à moi, celui-là va se charger. Il y a des personnes, même des époux, qui, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont tombés, ils ont été infectés par le virus, ne pouvant pas le dire que vous pensez à l'épouse, ils s'organisent avec le corps médical, on prépare la femme à accepter. Il y a d'autres femmes qui ont découvert la statue pendant la grossesse et elles sont pleines. C'est pendant la grossesse qu'elles découvrent que, hey, mon Dieu, j'ai ça. Elle appelle son partenaire. Donc vous voyez, c'est, il y a toujours un suivi, il y a toujours un accompagnement. Mais aujourd'hui, pour la femme, c'est-à-dire que comment avoir un partenaire qui soit justement atteint de VIH et qu'on soit en face, qu'on supporte, comment ménager ce type de relation? C'est-à-dire que, est-ce que l'amour qu'on aura pour l'autre ne va pas prendre un coup? Parce que c'est ce qu'il craint aussi. Il y a des couples qu'on a vus où l'homme a infecté la femme pas. Pourtant, ils ont des rapports sexuels. Est-ce que l'amour reste au beau fixe? C'est pour ça que j'ai pas envie. Non, non, j'ai dit, on a vu, c'est quand l'homme développe la maladie. On va à l'hôpital, on fait les examens, on se rend compte que l'homme est infecté, mais la femme pas. Donc vous voyez, on ne peut pas se prononcer sur ce plateau comme si on était des spécialistes. Seuls les spécialistes maîtrisent les codes. Vous pouvez avoir une femme qui est malade, l'homme n'est pas malade. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent, les examens et tout qui entrent en jeu. Les anticorps, il y a tellement de choses qui entrent en jeu. C'est mieux de la ramener. Une dernière question pour finir avec vous, Charles Amel. Est-ce que l'homme ne sera pas un peu dans son couple menacé? C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un pépin, parce qu'on se connaît, on est des femmes. Madame a vite fait de prendre ça et de vous balancer ça au visage. Le truc, c'est quoi? C'est que nous sommes déjà en train de les stigmatiser. En bon? Vous voyez le stigma? Je dis, nous sommes en train, en disant, la femme va. Vous allez vous rendre compte que le système en place a plutôt créé la peur. Hein? C'est pas ça, maman. On a plutôt créé la peur que de préparer les individus à vivre avec les malades. Tout à fait. En Europe, c'est pas ça. En Europe, on a plutôt cultivé le besoin urgent d'encadrer et de vivre avec, plutôt que de créer la peur. Oh, ici, on a créé la peur, c'est l'inverse. Or, justement, dans votre suite, si le corps médical nous avait aidé, voilà, en disant par exemple que le paludisme tue plus que le sida, voilà, le diabète et la hypertension tuent plus que le sida, on aurait changé de c'est tout ce jour-là dans le mental. Vous pouvez avoir un problème. Vous stressez entre 16h et 18h le matin, vous trouvez mort. Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur. Dès les premières heures de cette maladie, lorsqu'il a informé à la famille que voilà, je suis séropositif, sa famille l'a mis en quarantaine. Il avait 4 frères.
Le premier est décédé du paludisme, le deuxième d'accident, le troisième est décédé de diabète, le quatrième est décédé de la typhoïde. Bon. Et chaque fois, il venait au deuil en disant, vous m'avez chassé parce que j'étais séropositif. Aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui t'a tué? Je suis encore vivant. Et c'est lui qui a récupéré tous les enfants, qui les a élevés jusqu'à aujourd'hui, il est debout. Dans cette famille, ça l'avait. Or, le gouvernement devrait plutôt, parce que ça vient de ça, dans l'éducation, éduquer les populations à vivre avec. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, on vous détecte un cancer, on vous dit faites venir votre femme. On vous détecte un diabète, faites venir votre femme. Ma chérie, maman, désormais voici comment tu vas prendre charge de ton mari. Tu n'as plus préparé avec l'huile. Tu n'as plus, si tu prépares avec l'huile, tu dois avoir tel type d'huile. Tu ne dois plus exagérer sur tel aliment comme le cube. Il ne doit pas manger trop de féculents, par exemple trop de manioc qui contient le sucre. Il peut manger la patate douce. Il peut manger les pommes. Non, ça monte l'indice glycémique. On vous éduque. Chaque fois qu'il va à ses rencontres, il va avec sa femme. Or, vous avez des hommes. Lorsqu'il détecte, on lui fait venir ta femme, il cache. C'est lui qui mange sa soeur ou bien quelqu'un d'autre. Oui, il mange tout parce qu'il a peur que si je dis à ma femme, elle va disparaître. Donc voilà le problème que nous avons. Voilà le problème. Il faudrait que le ministère de la Santé prépare plutôt les gens à savoir accepter, à savoir vivre. Il y a plein de couples ici à Douala où vous avez des hommes qui sont malades, la femme pas, ils vivent ensemble. La femme connaît le statut. Bon, certaines personnes disent qu'elle est là pour les biens. Elle cafouille les biens. Mais j'ai bien envie de dire les biens de quoi. Donc, à chaque moment, tous ceux qui tombent des accidents, ce n'est pas ceux qui sont malades, qui sont atteints du VIH, qui meurent des accidents. Ce n'est pas ceux qui sont, comment je vais découcher là, qui... Non, je crois qu'il faut changer plutôt le paradigme. Et c'est pour ça que je dis à ce garçon, tu n'as pas de problème. En fait, cette fille n'a pas de problème, c'est toi le problème. Lorsqu'on arrive à un stade de, je crois, ils disent... c'est quoi indéterminé. On peut vous permettre de féconder. Bon, il y a des méthodes. Je crois qu'il faut qu'il se rapproche des méthodes. Il peut avoir un enfant. Bien sûr. On peut faire le prélèvement de son sperme. On fait une fécondation. Oui. Et tout, c'est possible. La médecine a évolué. Donc, je crois qu'il ne doit pas se mettre des blocages dans sa tête. Il en ramène juste derrière un ou deux pots. On les voit, les pères éducateurs. Ils sont nombreux. Quand vous allez à la cantine, ils sont nombreux. Ils se baladent même. On les voit. Ils ont désormais même des. Car ils arrivent dans les quartiers pendant les vacances, on envoie partout. Ils descendent, c'est les jeunes filles qui arrivent, qui sensibilisent. Donc j'estime que chacun, parfois vous pouvez être prudent au départ. Pendant le parcours, vous avez une indélicatesse, ça vous rattrape. Même les femmes mariées à la maison ne sont pas à l'abri. Un coup d'un soir, le mari peut vous ramener quelque chose à la maison. Et vous entendez sur des femmes tous les jours dire, vraiment j'ai attrapé le gars là. Dieu merci, il ne m'a pas encore amené. Donc, il faut que même étant à la maison, vous préparez l'autre en disant, si jamais j'ai une maladie handicapante, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des hommes qui abandonnent les femmes parce que la femme a fait l'AVC. Oui. Elle est tétraplégique, elle fait tout sur elle. Le gars commence là où il se rend compte qu'il est un joueur. Il découvre la vie, il abandonne sa femme. Alors que c'est le moment où il doit être proche de sa femme. Donc, ce qui est valable pour les autres pathologies, est valable aussi pour le VIH. Ce n'est pas des personnes qui voulaient. D'accord. Pamela, qu'est-ce que vous avez envie de dire à cet homme? Parce que pour lui, il manque de mots, si ce n'est de stratégie pour parler avec sa femme ou pour lui dire, écoute, voici la situation, il faut que je partage ça avec toi. Ça s'impose, qu'on le veut ou non. On ne construit rien dans le mensonge. Vraiment, on peut comprendre que au départ, il n'a pas dit à sa copine parce que vraiment, il ne savait pas par quel moyen il pouvait le faire. Peut-être qu'il avait peur de dire à sa copine que, comme tu vois, je souffre de telle maladie. On se dit qu'il avait mis une raison de ne pas le faire. Mais aujourd'hui, ils sont déjà passés à l'acte. Et la fille n'est au courant de rien. Et la fille lui met la pression comme quoi elle veut un enfant. Non, il passe à l'acte de manière protégée aussi. De manière protégée, oui. Maintenant, la fille lui demande un enfant. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pour qu'il donne l'enfant à la fille, il va falloir qu'il dise la vérité à la fille. Forcément, les deux vont de pair. Donc, s'il ne parvient pas à dire la vérité à la fille, qu'il se sépare tout simplement de la fille, mais en se séparant, qu'il dise à cette fille que vraiment, comme tu vois, je n'ai pas voulu, pas parce que je ne t'aime pas, parce que justement, je souffre de telle maladie, quitte à ce que la fille prend sur elle de dire que d'accord, je continue la relation au nom de l'amour que je te porte, et puis ils vont aller ensemble. Moi, j'ai une amie que son mari
n'a pas les deux jambes. N'a pas les deux jambes. Il a été victime d'un accident. Il a rencontré la jeune fille. Il lui a posé le problème en pleurant. Il a rencontré la dame après son accident. Non, il était déjà sans jambes. Il avait juste les prothèses. Tu vois. Il a rencontré la jeune fille. Il lui a dit, chérie. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait passer à l'acte, il n'arrivait pas. Il ne savait pas comment est-ce qu'il va dire à la fille. Un jour, il s'est mis à pleurer devant la fille, lui disant, je ne sais pas si tu vas toujours rester avec moi après que je t'aurais dit ceci. La fille dit quoi? Il y a un deuil dans ta famille. Il dit non. Il y a quoi? Tu souffres d'une maladie. Il dit à la fille, non, ce n'est pas ça. C'est que je n'ai pas les jambes. La fille s'est levée sur le cou, elle est rentrée chez elle. Le gars s'est dit qu'il a perdu la fille définitivement. Que non, la fille est partie chez elle prendre tous ses bagages et est revenue chez l'homme. L'homme n'a pas cru au départ qu'une fille pouvait l'accepter parce que sa précédente relation était que la fille l'avait quitté quand elle a su qu'il n'avait pas de jambes. La fille est venue s'installer avec lui. Ça n'a pas fait pratiquement un an qu'il a épousé la fille. Jusqu'à aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, ils sont ensemble. Vous vous dites qu'il y a des gens qui peuvent le faire. Vous avez des malvoyants, vous avez des handicapés, vous avez. Le bonheur, c'est pour tout le monde. Bien sûr. Il y a des personnes qui peuvent accepter cela. Si elle n'accepte pas, une autre acceptera. Si le bonheur, c'est L'handicap, c'est à divers degrés aussi. Parce que l'autre va vous dire la levée. L'autre va se plaindre parce que son mari est sous là. Elle dit que c'est un handicap. L'autre va dire le mari est si ça. Donc, mais c'est que on a, dans la tête des Camerounais, on a déjà dit que le sida, vraiment, c'est une maladie que lorsque tu as. Moi, je me rappelle, quand on fréquentait, on disait que c'est une maladie qui est sexuellement transmissible, qui se transmet plus par les rapports sexuels. C'est au fil des temps qu'on s'est rendu compte que même avec un matériel qui n'est pas stérilisé, tu peux attraper la maladie, même passant de la mère à l'enfant, tu peux le faire comme le parent te dit, même si tu salues un homme, qu'est-ce que tu pourras avoir. Voilà, mais non, ce n'est plus ça. Qu'on a réussi à infecter par rapport aux transfusions sanguines à une certaine époque. Avec les tondeuses eux-mêmes. Les sanguines et tondeuses. Donc, c'est partout. Il faut que la mentalité change. Ce n'est pas parce que j'aime Dominique Audrey Seine que lorsqu'on viendra me dire la X que je devrais m'en éloigner. Non. C'est déjà créer une stigmatisation. Et les premiers qui l'ont créé, c'est l'administration. L'administration, peut-être en voulant stigmatiser pour limiter, ça n'a rien fait. Donc il faudrait qu'on apprenne plutôt à vivre avec les gens. Comme on dit désormais que la vie avec les malvoyants, vous avez des malvoyants qui ont de très belles femmes. Bien sûr, j'en ai. J'ai dit de très belles femmes et que les voyants même sont. Ne peuvent pas avoir. Ah oui, vous avez des malvoyants. Je vous assure qu'ils ont de très belles femmes. Alors il a choisi cette femme comment? Il a su lui parler, il a su ouvrir son cœur. Et ils sont ensemble depuis. Hein? On peut saluer son plein des artistes musiciens qui vivent avec de très belles femmes jusqu'au jour. Et donc, on est tous jaloux. Vous avez des sourds-muets qui parviennent à avoir des femmes. Donc, cette maladie, comme les gens disent, on peut tout m'enlever, sauf m'enlever le plaisir de sexer. C'est juste ça. On peut tout m'enlever, sauf le plaisir de sexer. Et puis, pour sortir, Isabelle Carole, il y a des jeunes filles au quartier qu'on connaît, vraiment. Quand on regarde la fille, on dit que celle-ci, elle souffre de telle maladie, elle ne dit à personne, elle transmet à tout le monde au quartier. Pour le cas du monsieur, il est conscient. Non, ça, c'est une autre chose. Non, je veux dire, il est conscient. Il pouvait le faire avec la dame. C'est juste qu'ici, la femme... Non, celle qui le fait de manière express consciente, non, c'est une maudite. Chalamet, mais le monsieur pouvait le faire également. Non, avec sa copine. Non, c'est une maudite. Ne la prenons même pas en exemple. C'est des maudits. Avec l'amour. Je crois qu'il y a une loi qu'on a votée dans certains pays où lorsqu'on se rend compte que vous avez eu à contaminer, vous êtes sur le plan pénal, on vous punit. Si vous savez que vous avez la maladie, vous avez l'obligation. Ok, le monsieur, lui, il a fait comment pour en avoir alors? Les personnes qui sont. Le monsieur, il a fait comment pour contacter avec son épouse? Parce que c'est après deux ans le décès. Non, c'est après le décès de son épouse. Deux ans après, il contracte la maladie. Donc forcément, il allait dans des aventures compliquées et voilà, il s'est retrouvé avec cela. En tous les cas, qui disent la vérité à sa copine, quitte à ce qu'elle avance ou bien elle recule avec la relation. Oui, pour qu'une relation soit pure, il ne faut pas qu'il y ait des zones d'ombre, il ne faut pas qu'il y ait du flou dans la relation. Il faut qu'on soit capable de pouvoir très vite déceler tout ce qu'il y a comme information nouvelle ou alors des non-dits doivent être dits. Le plus tôt toujours est le mieux, c'est hyper important pour chacun des partenaires. Allez, allons à l'autre rubrique pour dire bonjour à Charlamel dans le cadre de sa colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'utilisation des manuels scolaires non agréés et imposés aux parents par certains établissements scolaires
en violation des directives gouvernementales dans ce pays. Comment comprendre le jeu macabre joué par certains éditeurs dans ce pays? Comment comprendre que la commission même, qui travaille sur les manuels scolaires, s'arrange à nous donner aux parents chaque année des livres avec plein de fautes, des livres au suivi, au texte incompréhensible. Par exemple, la Sanagakul, dans la zone de la Benoué, tel est l'intitulé qu'on a pu apercevoir dans certains livres. Aujourd'hui, que la rentrée scolaire a déjà pris son envol, les parents sont confrontés à un autre combat. Papa, le professeur de littérature, a dit qu'il faut le workbook. Papa, le professeur de physique et chemistry, a dit qu'il faut le homework. On vend ça où? C'est lui qui vend. Ça coûte combien? 3 500, 5 500, 6 000. Tous les parents reprennent la liste des fournitures scolaires publiées par le MINESEC. Ils se rendent compte qu'en aucun moment, il n'y a mentionné homework ou ses workbooks à l'intérieur. L'enfant doit tout simplement apprendre. En l'espace d'une semaine, au-delà des 60 000 dépensés pour l'achat des livres et fournitures, les parents se retrouvent à dépenser 20 000 francs CFA pour des workbooks, pour des livres d'appui, pour des livres qui seront utilisés et dont le professeur va jusqu'à dire qu'on va vous évaluer en fonction de ce travail. Comment donc comprendre ce jeu macabre toléré par tous? On parle de 10 milliards de... Comment comprendre que des établissements ne respectent pas la liste officielle dans ce pays? Comment comprendre que des manuels scolaires soient frauduleusement introduits dans les listes des établissements scolaires? Dans d'autres établissements scolaires, certains proviseurs vont jusqu'à dire on n'utilise pas tel livre au professeur. Je préfère utiliser tel autre livre de tel éditeur. Contrastant de fait avec les textes, avec les livres validés par la commission du livre. Depuis le début de l'année scolaire, les parents sont fatigués de se voir interpellés par des enseignants sur le fait qu'il faut acheter d'autres livres hors programme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut entretenir le gombo des chefs d'établissement. Comment comprendre que des manuels hors programme soient utilisés dans l'enseignement privé? Des sous-systèmes anglophones et francophones de l'éducation de base et des enseignements secondaires. Comment comprendre que ces éditeurs introduisent frauduleusement des titres et cahiers d'activités non agréés dans les listes des manuels scolaires exigés aux parents d'élèves avec la complicité des chefs d'établissement? Comment comprendre que ces livres coûtent plus cher que ceux autorisés? Question. Contrairement à ceux autorisés par le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques, qui coûte au maximum 1 800, 4 000, 6 000 et j'en passe. Pourquoi est-ce qu'on écrit mal? Pourquoi est-ce que les livres au programme sont écrits dans un langage incompréhensible? Étaient-ce véritablement les professeurs qui rédigent ces livres? Comment comprendre que sur le marché, c'est la photocopie de la photocopie? On se retrouve à voir un texte qui commence en français et parfois finit en anglais. On a un texte qui commence en français et finit en chinois. Comment comprendre cette contrefaçon qui réside dans la production et la commercialisation des livres quasi identiques? Dans tous les cas, nous nous retrouvons dans un véritable culte de défiance avec une foultitude de workbooks. C'est chacun qui trouve son compte, c'est chacun qui s'en sort. Tant pis pour les pauvres apprenants, les pauvres apprenants, mais n'oubliez pas une chose, la Sanaga, Elle coule à Garoua. Dit, de,
vraiment ces livres soient écoulés. Ça fait vraiment mal lorsqu'on est parent, lorsqu'on est enseignant, quand on voit ce type de choses se passer, on se demande dans quelle république est-ce qu'on se trouve. Bambok Bengan, je veux également comprendre ce qui se passe au point où ces livres qui ne sont pas agréés sont plus coûteux que les livres même qui sont autorisés. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut permettre une telle catastrophe? Ça se passe à ciel ouvert, ça il faut le dire, parce que c'est pas sous une table qu'on va vous vendre ces livres qui ne sont pas autorisés. C'est-à-dire que vous allez arriver dans un espace, dans une librairie, vous allez trouver ces livres vraiment très bien placés, avec une très bonne visibilité. Non, parce que la commission d'agrément de livres n'a pas d'autorité coercitive sur cela. Il n'a qu'à sortir des livres au programme et à dire tel-ci n'est pas au programme. Les chefs d'établissement ne contrôlent pas. Eux, ils ont l'autorité pour imposer une discipline aux enseignants. Mais face à la précarité dont vivent nos enseignants, on tolère, on laisse, quitte au poste des parents de souffrir. C'est un peu cela. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à une situation où nous avons besoin que nos enfants soient bien formés. Nous savons que les enseignants ne sont pas bien payés et démoralisés. Quelquefois, c'est d'ailleurs nous qui les dépannons. Nous connaissons l'environnement de l'éducation au Cameroun aujourd'hui. Et on tolère ces écarts-là. Malgré, ce sont nos poches qui souffrent, mais on tolère. Mais en fait, on ne peut pas, j'avais dit, c'est compréhensible, sans justifier cela, mais bon, on accepte. Il faudrait que nos enfants aient quelque chose de consistant dans la tête, et que pour que l'enseignant lui donne quelque chose de consistant dans la tête, il faut que le même enseignant soit dans les conditions à peu près normales pour dispenser les cours. Et ces conditions normales, son salaire ne le lui permet pas. C'est un peu le polycopie comme ça qui lui permet de faire. Sinon, c'est les cours de répétition, c'est ci. C'est vraiment compliqué. Mais est-ce qu'on mettra les enseignants dans des conditions pour ne pas imposer cela aux élèves? Bon, oui, c'est ça, puisque hier ça n'existait pas. Et ça existe aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mauvais qui a été fait, dont il faudra corriger. D'accord. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut régulariser une telle situation? Est-ce que c'est possible, ou alors il faut simplement croiser les bras, observer, parce que se disant impuissant pour gérer une telle situation? Non, il y a un statut de fonctionnaire, il y a un statut parce que des enseignants. Il faut qu'on les applique, qu'on applique cela. Souvenons-nous que je pense l'année dernière, OTS, OTA avait encore voulu relancer le mot d'ordre. Lorsqu'un enseignant n'est pas intégré, c'est difficile. Lorsqu'on l'intègre, on lui donne déjà seulement 2/3 de son salaire, c'est un problème. Il y en a qui n'en bénéficient même rien, il y en a qui ont seulement 1/3. Donc il faudrait rétablir l'enseignant dans sa dignité. Ils ont dit eux-mêmes qu'on rétablisse leur salaire avant les coupes de 1994. On leur donne, lorsqu'on est en A1, on sait qu'on a un salaire de A1 indice temps, et que tous les 2 ans, on augmente un indice. Lorsqu'on est en A2 ou bien en C2, on sait, chaque enseignant, au regard de sa formation, il sait le salaire de base qu'il aura et les avancements qu'il aura comme fonctionnaire tous les 2 ans. C'est ça qu'il faut rétablir. Quand on aura rétabli cela, je pense que la sérénité reviendra. À ce moment-là, on sera à mesure de leur imposer un rythme. Mais vous ne pouvez pas leur demander, bon, débrouillez-vous. Mais au même moment, le bailleur, lui aussi, au même moment que le bailleur harcèle le parent d'élève, lui-même l'enseignant, il est harcelé. Mais vous oubliez quelquefois que quand lui, il n'a pas sa tête, il n'a pas préparé ses cours, il va faire comment? Il cherche 2, 3, il va faire des photocopies, dis donc, 5 000, comme justement le sous-système anglophone. Là, c'est très grave.
Ils ont au moins ces quatre mathématiques, additional mathématiques, port match, et ainsi de suite, tout ça. Donc, et chaque fois, on vous sort de polycopie à cela. En physique, c'est la même chose et tout. Non, c'est difficile. Ça asphyxie. Ça asphyxie. Mais il faut qu'on rétablisse l'enseignant avec son salaire initial avant les baisses de salaire de 94. D'accord. Charles, mais moi j'ai envie de comprendre simplement avec vous la posture des parents aujourd'hui qui subissent ce lourd fardeau parce que l'enfant qui débarque, qui vous fait savoir qu'il y a tel livre au programme, papa, le professeur de mathématiques a dit si demain je n'ai pas son livre, je ne fais pas son cours. Oui, l'enfant se retrouve en dans plein de lycées et collèges, les enfants sont. Est-ce que c'est pas aux parents de dire vraiment désormais si un livre n'est pas autorisé, c'est pas agréé, on ne l'achète pas en point. Les parents sont lâches. C'est des lâches. Après avoir payé, le père s'en fout. Les parents s'en foutent. Si les parents véritablement s'intéressaient, c'est que les conneries qu'on appelle APE et tout, et qu'on soit en réunion des parents et tout ça, ça aurait changé beaucoup de choses. Dans le fonctionnement, ça aurait changé beaucoup de choses. Parce que c'est une réunion des petits copains où on va manger, on boit. C'est le cousin, le frère, la soeur, du proviseur qu'on vient en instant. C'est ça le truc. Il n'y a rien de sérieux dans cette façon de fonctionner. Mais dites-moi, d'un côté, vous avez des livres qui ont des fautes. De sérieuses fautes. Ou alors des informations qui ne sont pas correctes. Des informations qui ne sont pas correctes. Je me rappelle à une certaine époque, il y avait un groupe d'enseignants qui étaient reconnus dans la confection des livres. Livres de technologie, livres de français. Mais je vous avais, jusqu'à ce jour, le plaisir à lire ces livres. C'était bien rédigé. On travaillait sur un livre pendant 2-3 ans. Il y avait plusieurs commissions de lecture, relecture. Attendez. Attendez. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous sait? Même Rémi, on ne sait pas écrire Rémi. Il y a des livres qui représentent des images obscènes. Mais oui, la politique même a intégré déjà les livres au programme. Comment on peut avoir un livre de géographie qui vous dit que le centre climatique de Tchang est dans le sud-ouest? Ah oui, on a prévu le livre à les parcourir. Mais ceux qui c'est font, pour ça qu'il a font, dit qu'un livre te dit que la Tchang est dans le sud-ouest. Ceux qui font la veille sont passés où? C'est à eux qu'il faut poser la question. Les livres d'appui. Les workbooks doivent être facultatifs. C'est-à-dire, nous, quand on arrivait en classe d'examen, on disait, il faut qu'on ait les anciennes épreuves. Certains ont eu l'intelligence de prendre les épreuves de 1960-70, mettre tout ça compilé, ça fait un fascicule, vendre, on achetait ça à 5000, 6000. Ouais. C'est facultatif. Mais lorsqu'on vous impose d'acheter quelque chose qui n'est pas dans le programme, mais c'est de l'arnaque. On ne vous remet même pas un reçu. Vous devez sortir, vous payez. On donne le livre à l'enfant. Dans certains établissements, on ne remet même plus le livre à l'enfant. On dit que ça va rester à l'école. Et vous travaillez dedans avec le crayon. Mais oui. Quand le parent demande que le livre est où? Ah, papa, comme tu entends là, le professeur a dit que ça reste à l'école. Vous avez des enseignants qui volent les livres des enfants, même qu'on paye. Des enseignants qui volent. Votre enfant part à l'école avec les livres. Mais chaque année, étrangement, posons une question bête. Pour les enfants du primaire, on exige dans la fourniture un paquet de crayons. Mais à deux semaines de la rentrée, vous payez encore les crayons de 100 francs. 50 francs. Les crayons là vont où? Mais ce sont ces maîtresses, ces maîtres qui volent ces crayons, ces règles, les gommes qui ne rentrent jamais. Ils donnent à qui? Non, vous savez que tout le monde n'est pas au même enseigne, dans la même enseigne. On le partage toujours à vos enfants. Les rangs de papier, ça va où? Donc c'est pour vous dire que l'école est devenue un business. C'est devenu de l'arnaque, tout simplement. Et c'est chaque proviseur qui définit son gombo, qui définit sa façon. Par livre, il prélève 1000 francs. Certains proviseurs prélèvent 1000 francs par livre. Wow. Oui. Donc on imagine dans un lycée ou dans une école publique, s'il faut prélever simplement 500 francs ou 1000 francs par livre, ce que ça peut donner. Non, il y a besoin de livre pour 3500. Dedans, il a ses 2500. Le prof a ses 2500. Les 1000 francs vont directement. Ça veut donc dire que dans la chaîne éducative, les enseignants également sont complices de ces personnes qui écoulent ces livres. Mais qui fabrique ces livres? Ce sont les enseignants.
les erreurs qu'ils ont faites dans le livre, le grand livre, ils vont corriger dans leur vrai fascicule. Donc quand vous allez dire que vous-même, monsieur, regardez, je ne sais pas, vraiment, je suis un enseignant. Quand vous voyez ça, monsieur, vous revoyez ça, allons à la page, vous voyez ça, regardez cet autre document. J'étais obligé de faire pour permettre à vos enfants d'avoir le niveau. Vous dites, non, ne bouge pas, voici 10 000. L'autre, monsieur, même pour t'habiller, regardez bien mon enfant. C'est l'escroquerie. Mais une escroquerie très polie, très policée, très raffinée. Ah mais là, mais est-ce qu'on ne dira pas que ce sont les. Je veux dire que les dirigeants qui sont lâches à un moment donné, parce que se retrouver dans de telles situations, être de connivence avec ces personnes qui viennent, qui se permettent d'écouler ces livres, c'est vous qui devez pouvoir stopper ça. Oui, forcément les deux vont de pair, parce que vous n'allez pas dire qu'un enseignant va entrer dans une salle de classe sans avoir l'avis du responsable d'établissement. Forcément, il aura son accord pour dire « je viens pour vendre tel document ». Je me rappelle avant, il y avait un livre, on l'appelait « Calcul quotidien ». Que tu sois de école publique de quoi ou bien de telle école primaire, quand on te donne un devoir dans le calcul quotidien, tu cherches ton ami qui est dans un établissement, tu parviens à faire ton devoir facilement, mais aujourd'hui ce n'est plus ça. Si on te donne un exercice d'un major, tu rencontres ton ami. Tu cherches ta camarade de classe de ce n'est plus ça. Elle te dit que non, ce n'est pas ce qu'on nous a donné à l'établissement. Pour nous, on utilise plutôt ceci. Ça se ressent dans les examens officiels. Même les brochures où on vous dit voici la correction des 10 examens officiels au Cameroun, parfois il y a la fausseté dedans. C'est vrai. Et c'est ça que les enfants retiennent pour aller malheureusement, à malheureusement, le mal reste présent. La situation ne cesse de s'enflammer. Vraiment une situation qui est pourtant dénoncée, même si les lignes peinent à ne pas bouger. Dans tous les cas, nous accomplissons simplement notre mission, qui est celle de pouvoir en parler, de pouvoir dénoncer, de pouvoir booster ces personnes-là afin que le quotidien des uns et des autres s'améliore.